J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo unboxing. Unboxing d'un colis qui m'a été envoyé par un collègue ASMRtiste. Spartan ASMR. Une chaîne que j'aime beaucoup depuis des années. Qui a repris du service qui est redevenu très actif depuis quelques semaines avec un nouveau micro et tout. Donc je vous invite vraiment à aller voir son contenu, à l'encourager, à vous abonner parce que c'est une chaîne qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Je sais plus exactement mais je la suis au moins depuis je dirais 5 ans mais peut-être plus, peut-être 6 ans, je sais pas. En tout cas, c'est une chaîne qui existe depuis un bout de temps et qui, je trouve, n'a pas le succès qu'elle mérite. Donc vraiment, encouragez-le. En plus, si vous aimez mon contenu, je pense que ça va vous plaire. Puisqu'il y a du jeu vidéo, il parle aussi manga et animé, films, séries, il parle de plein de trucs. Et de ses autres passions, comme aussi notamment la moto. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Et en plus de ça, lui-même a fait une vidéo où il emballe tous les cadeaux que je vais déballer ici. Donc il y a deux vidéos, une sur sa chaîne, une sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà ouvert le colis que je vais poser à côté de moi et il y a plein de choses à l'intérieur. Donc déjà il y a une enveloppe, je vais lire dessus, il y a écrit: si tu es un voleur qui a pris le colis, j'ignore qui tu es, mais je te retrouverai. Je pense que c'est un hommage à Taken avec Liam Neeson. Et on a un beau courrier. ASMR, Arnaud ASMR, Spartan ASMR. Salut Arnaud, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'habitude. Comme promis, voici un colis mystère. J'espère qu'il te plaira et que tu n'as aucun des items que je t'envoie. Ce colis a pour but de te remercier de faire du contenu sur YouTube depuis si longtemps. Tu es l'un des premiers vidéastes que je suis en ASMR. Et j'aime toujours autant ton contenu. Merci beaucoup. Je souhaite également te remercier de suivre ma chaîne de ton côté de manière assidue. Consigne. Ah, j'ai quand même des consignes. Tu dois nous faire un déclencheur à chaque ouverture de cadeau. Ça va, c'est facile. Déjà, rien que de les ouvrir déjà, on peut dire que ça compte. Tu dois également essayer de deviner de quoi il s'agit. Amuse-toi bien. Donc il m'a donné des indices, je vais essayer de trouver. Mais on va voir, peut-être je vais pas trouver. Alors, zéro. Une histoire de famille assez particulière, beaucoup de secrets. Comme je sais qu'il aime beaucoup les animés, les mangas, je connais de réputation, mais j'ai jamais vu. Je dirais Spy Family, peut-être. Peut-être. Je crois qu'il en a déjà parlé. Ça pourrait être Spy Family. Si c'est pas ça, et que c'est une série, une histoire de famille, des secrets, peut-être Breaking Bad, je ne sais pas. Ensuite, une figurine de ninja pour embellir ton décor, peut-être Naruto. Si c'est ça, super cool parce que j'aime beaucoup.
histoire avec un monstre qui prend soin de sa fille adoptive. Alors là, je ne sais pas. Et le 3 de quoi boire fait gaffe à ne pas tomber dans une autre dimension, peut-être en lien avec Rick et Morty, que j'aime beaucoup, parce que Rick, il picole, et il y a des portails interdimensionnels, donc ça pourrait être ça. Peut-être une boisson en lien avec Rick et Morty, ou une tasse, ou un verre, peut-être, je ne sais pas. 4 fois 2, donc 8, je suppose. Une histoire fantastique, mon histoire préférée. Tu sauras de quoi il s'agit si tu me connais bien. Alors là, je dirais peut-être, je connais que de réputation, mais je sais qu'il en a parlé plusieurs fois. Je crois que ça s'appelle Made in Abyss, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Et je sais qu'il aime beaucoup, donc peut-être que c'est en rapport. Tout au fond, il y a autre chose, mais beaucoup trop galère à emballer. Ça sera à la fin. À bientôt, j'espère. Et ensuite, il a mis une petite note. Une imprimante sans encre, ça marche moins bien. T'inquiète, c'est quand même très lisible. Allez, je vais déballer, mais il faut que je prenne dans l'ordre, du coup, je suppose. Là, il n'y a pas de chiffres, donc peut-être que c'est ça le 0. Là, il y a le 2. Sauf qu'il n'y a pas 2 dans les chiffres. Écoutez, je vais tout sortir. Là, il y a le 1. Là, il y a le 3. Et en dessous, il doit y avoir. Ah, là, il y a le 0. Et du coup, il y en a un où c'est. Il n'y a pas de chiffre. Donc, on va voir. Ce sera la surprise. Je vais commencer par le 0. Une histoire de famille assez particulière, beaucoup de secrets. On va voir si j'ai raison, si c'est Spy Family. En tout cas, comme ça a l'air d'être un manga. Si c'est ça, c'est trop bien. Allez, j'ouvre. Je crois que j'ai raison. Je crois que je suis trop fort et en plus j'ai aucun exemplaire, je connais pas du tout. J'aurais peut-être des coupes s'il y a des bruits un peu trop forts. Et j'ai gagné. J'ai gagné. Regardez ça. Spy Family, volume 1. C'est génial, je suis trop content. Je vais pouvoir découvrir. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien en plus. Voilà, je sais qu'il y a un animé aussi. Et j'ai vraiment entendu beaucoup de bien sur Spy Family. Voilà, je vous montre un peu des dessins. J'adore la couverture. J'aime beaucoup la couleur des tomes. C'est de Tatsuya Endo. Je suis trop content, j'en ai au moins trouvé un. Spy Family. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associe à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Tout en découvrant les valeurs d'une vraie famille unie et aimante. Trop bien. Donc là, il y a 5 chapitres qui sont découpés en missions. Donc 5 missions. Merci beaucoup. Merci, merci. Ensuite, j'ai une figurine de ninja pour embellir ton décor. Eh bien,
avec les ninjas auxquels je pense. D'ailleurs, ici, j'ai une bougie avec le logo de Konoha. Attendez, mon doigt, voilà. Avec le logo de Konoha. En-dessus, ça n'a rien à voir avec Naruto, c'est Brutor. Allez, j'ouvre. Le concept de Naruto, c'est un village ninja qui s'appelle Konoha. Il y a d'autres villages ninja et il y a des guerres entre les villages. Et Naruto, non, du coup, je vous explique. Je ferai pas l'affront, je vais quand même vous expliquer. Naruto, il a un genre de démon en lui qui s'appelle Kyuubi. Et donc, et ben, il est scellé en lui. Il est enfant, c'est un genre de paria, si on peut dire. Et donc il veut prouver sa valeur et son plus grand rêve, c'est de devenir Hokage, qui est en fait le grand chef du village, le grand sage. Regardez-moi ça, elle est trop belle, je suis trop, trop content. Merci, merci, merci pour ces beaux cadeaux. Je suis déjà trop gâté, je suis déjà gâté. Mais c'est pas fini. Ensuite, il y a une histoire avec un monstre qui prend soin de sa fille adoptive. Alors, est-ce que c'est ça? En 3, il y a de quoi boire. Alors, peut-être c'est là. Peut-être c'est là. Alors, j'hésite. J'hésite parce qu'il y en a un. Je vois pas écrit 2, il y a écrit 2 fois 2. On va dire que c'est ça. Je pense que ça, c'est 4. Le 3 est noté. Et donc, ça doit être une histoire avec un monstre qui prend soin de sa fille adoptive. On va voir. Est-ce que c'est ça? Synopsis, j'ose pas trop, j'ai peur de me spoiler.
spoiler, mais je vais quand même vous montrer des dessins parce que de toute façon, je vais ne plus m'en souvenir à la lecture, avant la lecture du premier. Mais je suis vraiment gâté. Les dessins sont très originaux et vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Splendide. Vraiment. Et donc, j'ai pas dit de bêtises. Oui, c'est ça, l'enfant et le maudit. Et c'est de Cyril Haroun. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être ça. Ah non, peut-être Cyril Haroun, c'est le nom de. Le nom c'est comment on prononce en japonais. Est-ce que ce serait pas plutôt Nagabe? Ça doit être Nagabe l'auteur. Et c'est aux éditions Komiku. Alors vraiment, je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai hâte. Je vais m'offrir le tome 1 et je vais dévorer ces deux volumes. Je sais pas combien il y a de tomes, mais peut-être que c'est pas trop long. Je vais voir. Je découvrirai ça. Ensuite, ici, je pense que c'est un manga. Mais je vais déjà ouvrir le 3. De quoi boire? Fais gaffe à ne pas tomber dans une autre dimension. Je pense que c'est Rick et Morty. Si c'est ça, trop bien. Mais si c'est pas ça, trop bien aussi. Peut-être une tasse au vu du poids. Peut-être. Après, est-ce qu'elle est en métal? Est-ce qu'elle est en céramique? Je suis trop fort. Et surtout, je suis trop content. Car je n'en possédais pas du tout. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de faire des déclencheurs avec, avec les objets. Donc désolé. J'ai complètement zappé. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, en fait j'en fais en ouvrant. On va dire qu'au moins ça reste naturel. Regardez-moi ça. Donc je crois que c'est une taf. Une tasse. Une taf. C'est une taf. Non, j'ai rien fumé. Que c'est une tasse qui change quand il y a de l'eau chaude dedans. Il y a des choses qui apparaissent. Donc on voit Rick et Morty. Et quand il y a de l'eau chaude, il y a un portail interdimensionnel qui s'ouvre. Et vous savez quoi? Je vais l'ouvrir. Et alors en plus, je sais pas si Spartan a vu, mais j'ai une collection de mugs. Et donc je suis trop content parce que ça s'ajoute à ma collection de mugs. Donc merci. Elle est bien emballée. Comme ça fait un petit peu de son déclencheur en plus. Et regardez la tasse. Alors j'ai pas d'eau chaude, vous pouvez pas voir le portail interdimensionnel. Mais je vous la montrerai dans une autre vidéo quand je mettrai du café dedans pour boire avec vous. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que ben, vous le savez, souvent je bois des cafés ou de l'eau en même temps que je fais mes vidéos. Et c'est donc une très très belle tasse Rick et Morty. Pour l'instant, trop fort. Deux œuvres que je ne connais pas. Naruto que j'adore et Rick et Morty que j'adore. Franchement, je suis gâté. Et c'est pas encore fini. Oh, franchement, il m'a fait des trop beaux cadeaux. Merci beaucoup. Je suis vraiment trop, trop, trop content. Trop, trop content. Et ça, du coup, je pense, si je me trompe pas, que c'est Made in Abyss. On va voir. Mais je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je crois que c'est comme ça. Made in Abyss. Ah non, celui qui n'a rien noté, c'est le volume 1, le tome 1 de L'Enfant et le Maudit. Eh oui, c'est le volume 1 de L'Enfant et le Maudit. Donc je vais pouvoir lire.
base d'une bibliothèque, d'après ce que je vois ici. Et du coup, j'espère que j'aurai pas à payer la caution du livre à la bibliothèque. Mais non, c'est écrit bibliothèque de Montreuil. Et je sais qu'il habite pas à Montreuil, donc il l'a pas pris en bibliothèque. Il a dû l'acheter en seconde main. Du coup, là-dedans, il y a peut-être encore des choses que je n'ai pas vues. Donc je vais enlever les papiers et voir s'il y a d'autres choses que je n'ai pas vues. Je pense que oui. Je vais vous lire le synopsis. Je regarde juste, j'ai encore de la batterie. C'est bon, tout va bien. Au pied de la ville d'Ors s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers, séduits par l'aura de mystères qui l'entourent et qui se font appeler les caverniers. C'est ici que vit Rico, une jeune orpheline obsédée par l'abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère. Un jour, lors de ses prospections, elle découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle n'imagine pas alors à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Voilà, deux magnifiques volumes. Je vous montre un petit peu par rapport à Spy Family qui a une taille standard de manga. Vous voyez, c'est plus grand, c'est plus grand. Ça fait la taille d'une perfect edition en fait, hein. Vraiment magnifique. Et le synopsis de L'Enfant et le Maudit.
surtout pas touchée, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser. Ils sont aussi différents que le jour et la nuit, et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable à deux. Oh, merci mon ref, il reste encore quelque chose que du coup je vais vous montrer. C'est un genre d'affiche promotionnelle que je trouve très belle. Je pense que je vais l'encadrer et mettre ça quelque part. De Naruto avec un dessin de l'auteur pour les 20 ans en France de Naruto. Et donc c'est écrit 2021. 2021 pour les 20 ans de Naruto. Ça devait être en promotionnel, je suppose, avec une édition collector d'un des tomes peut-être. La texture est très agréable et le dessin est évidemment magnifique. Vraiment. Vraiment, il fait un petit clin d'œil là. J'adore. Il est trop beau, regardez. Regardez-moi ça comme il est beau. Trop gâté, ouais, je vous montre en même temps la figurine qui va avec. Je suis trop content. Franchement, c'est tellement gentil. Vous imaginez pas comme je suis heureux, comme ça me touche. C'est tellement gentil. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Encouragez sa chaîne, allez faire un tour dessus. C'est un mec en or, il est adorable, il fait des super vidéos. Franchement, foncez. Allez-y, vraiment. Allez-y. En tout cas, je suis quand même assez fort. Hein, je veux pas me la péter, mais j'ai quand même trouvé Spy Family, alors que j'avais jamais regardé ou lu le manga. J'ai trouvé pour la figurine de Naruto, j'ai trouvé pour la tasse Rick et Morty, et j'ai trouvé pour Made in Abyss. Par contre, je n'avais pas trouvé pour l'enfant et le maudit. Et en plus, trop gentil, il m'a offert deux tomes et deux tomes pour Made in Abyss et pour l'enfant et le maudit. Franchement, c'est adorable. Donc merci encore à lui. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et que vous avez ressenti ma joie, qu'elle est communicative. Parce que franchement, je suis trop content. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a rien d'autre, on sait jamais. Dedans, il y a des petits... comme du polystyrène pour protéger. C'est bon, c'est vide. Je vais profiter de ce bout de polystyrène. Et je vous dis merci à tous. Et je dis évidemment un grand merci à Spartan. Merci. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.